Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Je continue les audios pour le mois de juillet. Pour vous, les taureaux, ascendant taureau, planète en taureau. Donc, petit rappel important, déjà dans un premier temps, sachez que cela ne peut ne pas vous parler. Donc, pas de panique, ne prenez que ce qui résonne en vous. Et si vous voulez avoir un maximum d'informations, moi, ce que je vous invite à faire, en fait, c'est dans un premier temps de pouvoir écouter l'audio concernant votre ascendant, l'audio concernant votre signe solaire ainsi que votre signe lunaire. Vous allez recouper toutes les informations et ainsi, vous aurez quelque chose de très personnalisé. Ça vous permettra de savoir ce qui va se passer pour ce mois de juillet. Pardonnez-moi pour le retard, un petit peu, et tant mieux, beaucoup de travail, donc ça c'est top, et je vous en remercie d'ailleurs pour votre confiance. Cette audio est divisée en trois parties. Première partie, pour une fois j'ai décidé de commencer par le domaine sentimental, seconde partie le domaine des finances, et je terminerai par le domaine général. Donc je vous mets un petit intermède musical le temps que je me connecte à nos guides pour savoir quelles sont les informations que je peux vous donner pour ce mois de juillet. À de suite. Eh bien, écoutez, dans le domaine sentimental, on me parle d'évolution. Donc, c'est la première chose qui me vient. Alors, une évolution qui est assez, qui est valable pour tout le monde, en fait. Qu'elle soit positive ou négative, c'est une évolution. Si vous êtes célibataire, il y a une prise de conscience de votre part. On me parle d'un changement de vibration. C'est un petit peu comme si vous allez enfin attirer de belles âmes à vous et non pas des âmes avec des problèmes. Un peu comme si vous n'étiez plus ni un infirmier, ni une infirmière et qu'aujourd'hui, vous savez ce que vous voulez ou ce que vous ne voulez plus. Si vous êtes en couple ou vous venez de vous mettre en couple, il y a une très belle évolution aussi pour vous. Si effectivement vous êtes en couple et ça ne se passe pas nécessairement très bien, il y a également une évolution. Alors moi je suis quelqu'un qui reste toujours très positif dans les évolutions, donc peut-être une amélioration, on verra je dirais au fur et à mesure de ce que je ressens, mais pour le moment voilà, on parle quand même d'évolution et c'est plutôt sympa. Parmi les personnes qui vont effectivement faire des rencontres, vous allez avoir le retour d'un ou d'une ex. Alors, comme on me dit, bah, en fonction de vous et de ce que vous aurez vécu avec cette personne, c'est un petit peu de voir si elle est véritablement prête cette fois-ci à s'engager ou pas. Moi, ce que je ressentais, c'est qu'à un moment donné, vous vous êtes dit « c'est peine perdue avec cette personne ». Limite, j'en fais mon deuil parce que bon, ça n'arrivera jamais. Je ressentais beaucoup de perturbations extérieures, donc c'est peut-être pas la personne elle-même qui n'était pas pour, mais peut-être ce que moi je vais appeler des personnes extérieures qui pouvaient effectivement les manipuler. En tous les cas, cette personne, même si elle revient, c'est qu'elle sait qu'elle a commis une erreur et qu'en fait, elle tient toujours à vous. Le problème, c'est qu'il y a toujours les personnes, je dirais, qui sont là, qui l'emprisonnent. Donc, je ne vois pas d'évolution, je dirais, positive et vous amènerez d'ailleurs à la rupture définitive puisque, bon, vous ne voulez pas, je dirais, remettre le couvert sur une relation où en fait la personne a toujours cette personne toxique autour de vous. Donc on sent effectivement que à un moment donné vous dites stop, c'est soit ce que je t'ai dit soit pas, c'est un peu comme le même cas d'une triangulaire, hein. Mais comme on me montre, ça peut être vraiment une triangulaire, c'est-à-dire que le mari ou la femme est toujours aidé à un parage, mais ça peut être aussi quelqu'un de la famille, un membre de la famille, mais ça peut être également un pseudo-ami ou une pseudo-amie qui effectivement veut garder cette personne pour elle toute seule. Donc, on est bien dans une triangulaire dans tous les cas. Donc, c'est vrai que pour vous, c'est un grand non, c'est se dire à un moment donné, il faut arrêter. Pour certains d'entre vous, il y a une personne que vous appréciez. Je vois des œillades. Je vois le jeu de la séduction entre vous, peut-être à la machine au café. On parle de tout, on parle de rien. Voilà. Moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est qu'il va y avoir un petit peu de rapprochement, un peu plus de complicité. Moi, je verrais bien un baiser. Je verrais bien. Alors, peut-être pas encore, je passe à la puissance supérieure, mais voilà, un tendre baiser, ça me parle.
une petite sortie, un petit café, quelque chose de tendre en tous les cas, quelque chose, le rapprochement se fait tout doucement mais sûrement et c'est très agréable pour vous. Et vous verrez que cette relation, elle va vraiment se transformer, évoluer très positivement avec une belle transformation parce que vous allez vous rendre compte que cette personne, eh bien, c'est vraiment ce que vous attendiez, c'est vraiment ce que vous souhaitiez. On est dans une sensation de renouveau. Et puis, moi, j'annoncerai même quelque chose sur le printemps 2025 de cette relation, puisqu'on parle d'une union sacrée. Donc, on est sur quelque chose qui se construit dans le temps et qui est quand même très chouette, hein, mais vraiment très, très chouette. Il y a une forte attraction, il y a une forte attirance. C'est comme si, tout était limite fluide. Alors, je vous vois effectivement avec des peurs. Est-ce que je suis en train de me mettre encore dans une situation de schéma répétitif? Est-ce qu'il va y avoir un coup de Trafalgar? Donc, beaucoup de doutes, beaucoup de remises en question, beaucoup de tracas. Toutefois, moi, je verrais plutôt quelque chose d'extrêmement positif, même malgré vos peurs, même l'envie, effectivement, de tout détruire par peur de... Voilà. Eh bien, non, cette personne, beaucoup dans la communication, beaucoup dans les échanges, beaucoup à vous rassurer, limite vraiment ce que vous aviez demandé à l'univers. Donc, moi, je vous dis flirt, séduction, amour partagé, heureux, plus, plus, plus. Allez-y, foncez. En tout cas, pour une bonne partie d'entre vous, c'est vraiment le cas. Je vous mets un petit intermède musical, le temps de me connecter, cette fois-ci pour les finances. À de suite. Me revoilà pour les finances. Alors, pour les finances, j'ai comme une fuite d'argent. C'est-à-dire, c'est un petit peu comme si l'argent partait trop vite, à droite, à gauche. J'ai aussi ce petit côté où c'est comme si vous perdiez, on va dire, de l'argent. Alors, soit vous avez réservé quelque chose qui tombe à l'eau, c'est possible. C'est comme ça que je le ressentirais. Peut-être un voyage qui pourrait tomber à l'eau aussi. Voilà. Ou alors un voyage où vous allez être déçu. C'est une chose, voilà. Peut-être que vous avez payé quelque chose de très cher et qu'en fait, c'est pas du tout dans ce que vous pensiez. On a quand même ce sentiment de déception et j'ai quand même le sentiment d'une fuite, je dirais, mais c'est vraiment le terme, une fuite d'argent, en fait. C'est vraiment ce que j'ai. J'ai pas non plus, je dirais, de soucis en soi. Voilà, je l'ai pas, je ne l'ai pas comme ça. Mais on n'est pas non plus dans l'abondance financière. On est sur une situation, ce que moi je vais appeler un petit peu de montagne russe, c'est-à-dire un coup ça va, un coup ça va pas, où je débute le mois mais je sais pas comment je vais le finir. C'est beaucoup d'incertitudes, il y a rien de fixe, me dit-on. Voilà, c'est vraiment ce que je ressens. Ce n'est pas pour autant que c'est grave. Encore une fois, c'est ce que je dis souvent dans mes accompagnements. Attention, hein, de faire attention à ce que vous vibrez. Si vous vibrez du manque, l'univers entend le mot manque, l'univers vous renvoie du manque. Hein. Donc, il faut arriver en fait à trouver une énergie de joie, de bonheur, d'abondance, même quand elle n'existe pas. Parce qu'en fait, cette vibration, ils vont l'entendre. Et en fait, c'est un petit peu comme si vous deviez vibrer déjà comme si vous étiez riche, véridique. Hein. Donc, c'est un travail, hein. Ça s'apprend. Hein. C'est ce que je donne comme information dans mes consultations et dans mes accompagnements. C'est vraiment d'expliquer effectivement que c'est faisable. C'est faisable et c'est comme une séance de sport. Ça ne se fait pas en 2 secondes et ça ne se fait pas d'un claquement de doigts. Sinon, ce serait trop facile. Voilà. Mais ça se travaille. Le cerveau, ça se travaille. Hein. Je fais une certification en coaching de neurosciences et on prouve bien que le cerveau, ça se reprogramme. Voilà, pour la petite aparté. Donc, c'est vraiment ce côté où je ne vois pas de gravité, mais c'est vrai que l'argent fuit. C'est vraiment le terme. J'ai une fuite d'argent.
Et la reconstitution du pécule va se faire dans la lenteur. Vous allez réussir, mais ça va se faire dans la lenteur. Donc, pas de panique, ça veut vraiment dire qu'il n'y a pas de souci en soi. Mais bon, voilà, je vous vois un petit peu des fois dépité ou fatigué dans le côté relationnel avec l'argent. Voilà, je vous mets un petit intermède musical, puis on regarde ce qui se passe dans le domaine général. À de suite. Voilà. Alors déjà, dans un premier temps, pour ceux et celles qui cherchaient du travail, il y a un contrat de travail que je vous vois signé. Donc ça, une promesse d'embauche, c'est tout à fait possible. Alors il se peut que cette signature de contrat, c'est peut-être quelqu'un qui va vous filer un coup de main, c'est peut-être quelqu'un qui va effectivement savoir votre potentiel. Un peu comme un recruteur ou un chasseur de tête, ça me parle plutôt bien, qui va vous permettre effectivement de pouvoir aller dans une autre boîte. Cette autre boîte, bah, attendez-vous à ce que ce soit dans une meilleure ambiance que ce que vous avez actuellement, donc mieux payé, meilleure ambiance, donc ça c'est top. Par contre, il y aura sûrement un choix ou une décision importante à prendre, dans le sens que est-ce que je quitte vraiment le boulot? Peut-être que le nouveau boulot, il est sûrement beaucoup mieux payé, tout ce que vous voulez, mais peut-être que vous ne vous sentez pas à la hauteur de la tâche, ou peut-être tout simplement que ce n'est pas dans, je dirais, le secteur que vous auriez pensé. Pourtant, je vous vois quand même changer en automne. Donc, la signature se fait là. Quand je dis signature, ça veut dire qu'effectivement, vous allez être accepté, mais ça sera peut-être qu'à partir de fin septembre, début octobre. En tous les cas, j'ai vraiment cette sensation que c'est quelqu'un en fait qui vous le trouve, hein, c'est un petit peu ou qui vous recommande. En tous les cas, c'est comme ça que je le sens. Vous n'allez pas tarder à recevoir de très bonnes nouvelles par rapport à des choses que vous auriez demandé, que ce soit à l'administration, que ce soit auprès de d'un secteur collectif, un petit peu comme si vous aviez demandé aussi d'une formation, des choses comme ça. Moi, je vois que c'est un retour très, très positif. Pour ceux et celles qui sont avec la vente d'une maison ou d'un appartement, un compromis de vente va être signé durant cette période également, ce que je ressens très fortement. Pour ceux et celles qui sont à leur compte, on vous demande de garder la foi, c'est-à-dire que c'est pas parce qu'en ce moment vous passez par des hauts et des bas que ça ne va pas fonctionner. Le principal, c'est de rester vraiment focus. Pour les personnes qui travaillent en famille, là aussi, on vous demande d'être très intuitif, de ne pas hésiter à vous imposer. Il se peut qu'il y ait quelques conflits familiaux parce que vous n'allez pas être d'accord par rapport à une stratégie. Et figurez-vous que vous aurez complètement raison. Vous seriez visionnaire par rapport à cette situation. Moi, je vois également que vous allez pouvoir trouver une solution par rapport à votre entourage proche. Et là, tout d'un coup, me vient en tête peut-être la recherche d'un établissement, puisque c'est le mot que j'ai. Que ce soit pour un enfant ou que ce soit pour une personne d'un certain âge, vous allez trouver la solution sous peu, grâce à de nouvelles informations qui vont venir à vous. Donc, c'est plutôt sympathique. En tous les cas, ce que l'on essaie de vous dire durant cette période, c'est qu'il va falloir prendre du temps, c'est-à-dire qu'il va falloir savoir que ça peut prendre du temps, que vous avez votre libre arbitre, hein, donc ça tant mieux, et qu'effectivement, il va falloir négocier parce que beaucoup de gens vont tenter de vous mettre des bâtons dans les roues pour y arriver, surtout dans le cercle social, donc autour de vous, c'est toujours pareil, hein, voilà, mais vous allez trouver votre équilibre. Et si vous êtes en litige avec la justice, eh bien, sachez qu'on va vous demander des petits papiers supplémentaires, mais qui vous apporteront vraiment une très grande joie de vivre. Et c'est quelque chose que je ressens plutôt pas mal. Voilà, amis taureaux, je vous souhaite à tous et à toutes un excellent mois de juillet. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt. Au revoir.